Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. C'est ton destin, donc sur Hearthstone comme d'habitude. Aujourd'hui donc bras de fer assez bizarre, vu qu'il va être à base de cadeaux, de destin. Comme c'est indiqué dans le titre d'ailleurs. Donc cette semaine, nous aurons le choix au tour 1, mon adversaire et moi, de choisir entre 4 cadeaux. Donc 4 cadeaux différents. On va pas les détailler ici, on les verra pendant la partie. Et également, en plus du tour 1, quand l'un de nous deux, enfin, à chaque fois que l'un de nous deux passera sous les 20 PV, il y aura un autre cadeau de découvert qui donnera un autre bonus. Donc voilà, c'est bras de fer assez spécial. On va voir ce qu'on peut faire avec. Et aujourd'hui, on a décidé de partir sur un match freeze. Donc un match freeze, tout ce qu'il y a de plus classique. Pourquoi ça? Parce que un des cadeaux fait qu'il peut réduire le coût de tous les sorts de 1 point de mana. Du coup, c'est très important en match freeze. Ça peut comboter avec Antonidas, ça peut comboter avec beaucoup de choses. Ça permet de faire un Flame Strike ou une AoE à tour 5 ou tour 6. Avec Torissan aussi, c'est pas mal. Si on n'a pas forcément ce cadeau, on peut aussi jouer autour d'un autre cadeau qui est que l'on a 2 points d'armure au début de chaque tour, que le héros a 2 points d'armure au début de chaque tour. Et il y a une nouveauté, c'est que ce bonus est applicable aux deux joueurs. Je veux dire, si je choisis un bonus, mon adversaire aura le même. Donc, par exemple, si je choisis le moins 1 de mana sur le coup des sorts, mon adversaire aura exactement le même. Après, je ne sais pas si c'est possible de choisir 2 fois le même. Ça ne m'est pas arrivé, j'ai un petit doute. Mais je pense pas. Donc là, je commence. Je On dois est contre un protéger les druide. miens. Vous l'avez cherché. Druide, c'est pas spécialement bon comme match-up. J'accélère trop, ça peut vite partir. Vite mal partir, hop. Donc là, vous voyez les 4 cartes destin. Donc destin la pièce. Quand un serviteur meurt, donc le propriétaire obtient une carte la pièce. Donc ça, c'est un peu comme l'effet de la carte le pilleur de tombe, la nouvelle carte voleur de la Ligue des Explorateurs. Il y a la carte portail qui met 10 portails instables dans le deck de chaque joueur. Donc ça, c'est le destin que je vais absolument pas prendre parce qu'en match freeze, j'ai un deck à respecter que je dois cycler assez rapidement. Du coup, je veux pas qu'on me rajoute des cartes dans mon deck. Destin Confusion, donc, qui à la fin de chaque tour échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs, ça me sert pas du tout, ça m'handicape énormément. D'ailleurs, vu que j'ai l'Hospice Funeste, donc la carte 0-7, qui a 0 d'attaque, et si elle est inversée, elle passe à 0 de défense, donc meurt. Et enfin, il y a le destin qui m'intéresse le plus, donc c'est le sort, et que les sorts coûtent un cristal de moins. Hop, donc on le prend, on espère qu'il n'a pas la croissance sauvage. Parce que sinon, il peut la jouer pour 1 grâce au destin que je viens de lui offrir. Alors, Hull, le druide qui s'appelle Hull, que va-t-il choisir comme destin? Donc 4, hein, comme moi, 4 de proposer, 1 de choisi. Alors, donc destin banane qui fait quand un serviteur meurt, le propriétaire obtient une carte banane, un cristal de mana. Donc la banane, si je ne dis pas de bêtises, c'est le sort que donne le roi Mukla, qui donne 1 plus 1 plus 1 à un serviteur. Hop, donc là on a l'intelligence des arcanes, on n'a pas de raison d'éclair de givre la panthère, parce que ça va lui donner une banane, ça va pas nous servir, et en match freeze on essaie de garder au maximum les blasts pour l'adversaire. Et du coup là on a une main vraiment mauvaise, à part l'intelligence des arcanes. Vu que les blocs de glace, enfin les secrets en mage en général, on ne veut jamais les voir. Évidemment, du coup on top deck 3 secrets, enfin on a dans la main 3 secrets sur 4 qu'on a dans le deck. C'est vraiment chanceux. Parce que oui, du coup en mage, les secrets, on veut les voir grâce au savant fou, pas grâce au fait de les poser, parce que ça coûte 3 de mana quand même, c'est assez cher. Hein. Du coup, là, on va juste faire de glace, hospice,
hospice, donc là, il va pas être là pour tuer ces créatures, enfin, il va les tuer entre guillemets. Il va être là pour absorber les 7 de dégâts, que j'imagine qu'il va traiter ses créatures et pouvoirs héroïques dedans, ou alors la silence. Voilà, donc il la silence. Donc moi, ça me va. Que comme ça, je peux espérer qu'en 21 cartes, donc en 9 cartes, il n'ait pas de deuxième silence, et comme ça, je vais pouvoir Nova Hospice. And go. Oui, donc on va Nova Hospice. Là, le Nova Hospice, c'est mieux que Blizzard, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le destin qui me donnera des bananes. Donc, comme ça, tuer les deux créatures, c'est vachement bien. Oh non, on me dit pas qu'il a eu deux silences en 9 cartes. Ok, bon. Il a eu les deux gardiens du bosquet en 9 cartes, c'est... Ok, ça arrive très rarement. Et c'est vachement relou. Du coup, là, on est obligé de Blizzard. Blizzard à 5, hein, grâce au... Faire, du coup. Hop, du coup là on compte. Il a dans sa main 7 cartes et 2 bananes. Ok, les deux keepers, enfin les deux gardiens du bosquet qui mettent vraiment mal, hein, c'est incroyable pour une carte. Pour... Il va sûrement gagner la game sur ça s'il la gagne toutefois, ce qui est assez embêtant. Là il met énormément de board. Qu'il a l'état le prochain tour sur rugissement sauvage, du coup je vais être forcé d'ice block. Ouais, j'ai pas le choix. Hop. Mon ice block, ça me sert pas à grand chose de ping, parce que si je ping, il va juste remettre la deuxième banane sur la créature, donc la créature qui repassera de 1 à 2, mais bon, je vais quand même ping un keeper, et il faut utiliser sa banane au moins. Là, il a l'étal sur rugissement sauvage. C'est pour ça que j'ai ice block. Du coup, il fait un Ragnaros. Je vois pas ce qu'il a en tour 8. Là, un amplificateur et un autre tour 4. Donc il y a eu le rugissement sauvage, donc heureusement que j'ai ice block. Hop. Du coup là je vais finir à très peu de PV. Hop. Mais quand je passe tous les 20 PV, il y a le bras de fer qui va me donner un nouveau destin. D'ailleurs il a misplay, normalement contre Match Freeze, quand il y a un ice block, vous essayez de faire passer à 1 avant de casser son ice block. Du coup il aurait fallu taper avec la tête. Pour me mettre à 1 puis après avec l'araignée. Bon, c'est pas spécialement grave. Du coup, là j'ai un destin. Transforme. Oui. Je connaissais pas. Alors, transforme chaque serviteur en jeu en Murloc 1-1. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, ce qu'on va faire, on va ping Murloc, on va savant fou. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Le temps me manque. On va frostbolt notre savant fou pour récupérer une barrière de glace pour nous donner un petit peu plus de marge. Enfin, un peu plus de manœuvre. Et on va ice block parce que là encore sur force de la nature et ou rugissement sauvage, on est mort. Même avec la barrière de glace. Là je suis potentiellement à 11 PV. Alors, quelle carte devient tout top deck? La carte de droite, toujours. Donc là il attaque, parce qu'il voit qu'il y a une barrière de glace. Il se doute qu'il y a le deuxième ice block, j'imagine. Druid, c'est vraiment un match-up compliqué en hein. Match freeze vu que. Ah, c'est difficile de jouer contre. Donc, ça peut accélérer rapidement et ça peut nous faire des dégâts avant que nous on arrive à notre combo. Du coup, il manque un dégât là. Il doit avoir un autre balai. Ok, très bien. Alors, comment je m'en sors? Sur Flame Strike, je peux m'en sortir, même si c'est assez difficile. Ouais.
quoi, c'est à lose. Vous avez... Ah là là. Ah, j'ai pas eu de chance. Ah là là. Ah, il y a une double keeper en 9-4. Je suis trop dégueu. Oh là là. Bon, on est reparti. Et c'est parti. Alors, pourquoi sommes-nous donc un démoniste? Cranberg. Donc, démoniste. Si c'est un endlock, enfin, si c'est du coup un démoniste troll, on a l'avantage. Un endlock, on a l'avantage. Si c'est un démoniste Reno Jackson, on est dans la merde. Et si c'est un démoniste Zoo, on est tiède. Pas trop chaud, pas trop froid, on est tiède. Donc là, on prend le destin sort. Hein, donc, comme on dit, le meilleur dans le match-up. Les autres sont inintéressants. Destin portail peut être bien si l'on pense que le démoniste en face est un Reno Jackson. Mais là, enfin, à la vue de son mulligan, il a rejeté. Enfin, j'ai pas. Enfin, justement, je l'ai pas vu. Du coup, je peux pas déterminer ce que c'est. Du coup, on veut prendre le destin sort, celui qu'on veut normalement. Contre démoniste, il faut toujours essayer de faire gaffe à son mulligan, donc à combien de cartes il remet dans le deck. Parce que s'il remet quasiment toutes ses cartes, par exemple 3-4 cartes, c'est sans doute un Endlock ou un des Moreno. Et s'il remet une, deux cartes, c'est plutôt un Zoo, parce que les Zoos auront plus de chances d'avoir une bonne sortie qu'un Endlock. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut déterminer... Les démonistes, ça c'est peut-être un Zoo. Peut-être qu'il prend ça pour l'œuf de Nérubien. Ça me paraîtrait le plus logique. Et il va le pièce. Du coup, ça va lui faire un 4-4 et ce tour-ci. Très bien. Okay. Du coup, en barrière de glace, ça va absorber une attaque de Nérubien. Enfin, deux attaques de Nérubien. Je sais pas si on acolyte ou si on chip juste après. S'il met le deuxième œuf. Je pense que la game est perdue. Vous achetez. Bien, il a le Pegler. Un gros souci, ça, pour le moment. Tant qu'il a deux d'attaque, en tout cas. En fait, on pourra pas colite. Parce que la colite va passer 3. Hein. Enfin... C'est pas incroyable. Et là, on peut pas jouer les auspices funestes à cause du destin, parce que l'auspice passera, l'auspice passera 0-7 à 7-0 et du coup mourra instantanément. Du coup, là, on drop l'acolyte, parce que on a eu le Torisan. Du coup, avec Torisan, ce qu'on veut, c'est piocher et pas, enfin, piocher plus qu'autre chose. Donc l'implosion qui sort, qui tape à 2, c'est le minimum, donc tant mieux. Là, par contre, sur ci, on va peut-être être obligé de ship. Non, je pense qu'on va juste barrière Nova. Là, on peut se permettre de Nova, parce que, comme j'ai dit juste avant, on pourra pas faire la combo du match freeze qui sera Nova Hospice. Du coup, la Nova, on peut l'utiliser autre part. Là, ça me paraît bien parce que le prochain tour, j'ai 5 de mana. Donc, je pense que ce que je veux faire le prochain tour, c'est ship ping. Le tour d'après Torisan, si je top deck un truc intéressant. Donc, le Extrazak qui est intéressant dans le match-up. Du coup, là, on ping un diablotin. Pourquoi? Parce que démoniste, ça a pas mal de synergie avec ses sorts et avec ses démons. Enfin, ses sorts, ses démons. Du coup, on préfère ping une 1-1 qui est démon plutôt qu'une 1-1 qui est bête. Enfin, bête, mouton, quoi. Enfin, animal. Contre un hunt, on aurait fait le contraire. On aurait plutôt tué la bête avant le démon. Mais c'est étonnant quand même qu'un hunt se retrouve avec un démon sur board. Et tout peut arriver, ma foi. Donc là, on va juste Torisan. On est assez safe. On est à 28. Faudrait pas qu'il pose Doom Guard. Enfin, garde funeste. Ça serait assez embêtant. Très bien, il pioche. Là, on va juste Torisan. Je pense. Alors. Bien. Donc là, rampante. C'est pas un souci. Pas Torisan. Hop. Donc là, on a le savant dans la main.
Donc le savant, on apportera forcément un bloc de glace, vu qu'on a déjà joué nos deux barrières de glace. Ça va nous permettre de temporiser la game. On la repasse tour-ci. Il nous fait au rêve, ça va nous mettre vraiment très mal. Alors, c'est le pire pour nous au rêve dans ce match-up. Donc là, ça c'est une puissance accablante. Bien, donc il vient très de Montorisan, j'imagine. Très Montorisan. On peut se dire qu'il a sans doute Mal'Ganis en main. Enfin, je sais pas si c'est une liste qui joue Mal'Ganis, mais ça a l'air. Sinon, il aurait mis le Diablotin dans Torissan. Enfin, ça change pas grand-chose, mais on l'a vu au début, il avait ciblé le Diablotin et après il a ciblé le mouton plutôt pour trade le Torissan. C'est peut-être un indice qui nous dit qu'il a quelque chose qui combatte avec les démons dans la main. Mal'Ganis, autre chose, je ne sais pas. Hop, donc là, ce tour-ci, ça risque d'être Savant Fouping. Je pense que c'est le mieux. Ping la 1-1, parce que Ping la Creeper qui passera 2-1 du coup avec le destin est pas intéressant. Vu qu'elle va doubler ses dégâts potentiellement, vu qu'elle va perdre pop 2-1-1. Donc là, le nouveau destin, vu que je suis passé à 20 HP, du coup on va transformer tous ses serviteurs en Murloc, ça me paraît une bonne idée. Hop, donc là on joue le Savant Fou, on pioche deux cartes. Oui. Alors, 6, c'est 3, 6, c'est 3, 6, c'est 3, 9, 9 et 4, 9 et 4, 13 et 1, 14. Du coup, on va pas donner le Thalnos pour un trade gratuit avec ces Murlocs. On aurait pu donner le Thalnos, histoire de piocher. Là, on va pas le faire parce que le prochain tour, on a l'Extraza à 100%, je pense. Et du coup, comme ça, le tour d'après, on a l'étal. Vu que là, s'il nous trade le Mad Scientist, ça nous fait proc notre Ice Block. Du coup, on est safe ce tour-ci et le tour d'après. Du coup, on peut aller l'Extraza. Et le tour d'après, on a l'étal juste avec Thalnos, boule de feu, éclair de givre et javelot. Alors que si on avait drop le Thalnos ce tour-ci, il aurait pu nous le tuer, on aurait eu que 14 points de dégâts si on n'avait pas de top deck éclair de givre ou javelot de glace. Javelot de glace dans les tours qui arrivaient. Hop. Donc là maintenant, on est quasiment sûr de gagner à 90%. Il y a ce qui pourrait le sauver, mais on n'en joue pas en Zoro, c'est la mystique de Kezan qui me volerait mon Ice Block. Là, même le Horaid prochain tour ne le sauve pas. Sauf si le prochain tour aussi peut Horaid plus casser mon Ice Block, ce qui est assez improbable. Donc tout ce qui peut le sauver a très très peu de chances d'arriver, c'est très improbable. Donc là, j'ai l'étal, donc vous voyez, avec le bras de fer, donc mes forces sont réduites. En plus, j'ai eu un coup de Torrisan sur la boule de feu, donc là, pour 2, 5, 6, pour 6 points de mana, bon, on va rajouter 8 avec le Thalnos. Donc pour 8 points de mana, j'aurai 7, 14, 14 et 4 et 5, 14 et 9. J'aurai 23 points de dégâts pour 8 de mana. Donc c'est ça l'intérêt du bras de fer, c'est de diminuer le coût des sorts. Mettre un petit coup de Torrisan en plus, hein, c'est toujours un plus, quoi, justement. Et donc arrivé dans le late game, donc là on est safe, hein. Il peut pas nous tuer vu qu'on a notre Ice Block dans la main. Ça c'est une puissance accablante du coup. Enfin dans la main, c'est un rancier. Vu qu'on a pas la puissance accablante dans la main, mais notre Ice Block de poser. Et je confonds, voilà, je voulais pas dire puissance accablante, je voulais dire Ice Block. Donc là, il vient de lui, c'est 8 dégâts, vu qu'ils avaient Furie des vents. Il aurait pu taper dans la tête d'abord, puis trade ma créature. Bon, ça arrive, il a mis ses 8 dégâts, mais il aurait perdu quand même. Donc là, il a encore mis un dégât en jouant le cavalier à gauche au lieu de jouer à côté du loup. Pas un souci, vu qu'il ne nous aurait pas tué encore grâce à l'Ice Block. Du coup, nous, on le tue, donc boule de feu, Frostbolt et Javelot plus Thalnos. J'avais encore 7, 8 de dégâts de plus avec boule de feu. C'est le ping et c'est la victoire. Du coup, Démoniste, donc match-up qui était assez positif.
Il a eu une bonne sortie, mais il s'est vraiment calmé après. Et j'ai eu le destin qui a transformé toutes ces cartes en Murloc qui m'a bien carry la partie. Donc voilà, donc bras de fer assez bizarre pour l'instant. J'ai pas encore d'avis dessus parce que j'ai pas encore pu tout tester. J'ai uniquement joué match freeze et c'est à peu près tout. Du coup, je peux pas émettre d'avis. Et donc voilà, c'est Trimano pour le bras de fer de la semaine. Et n'hésitez pas à suivre Ivasund, vous avez tous les liens dans la description. Et il suffit que d'un clic, ça ne prend pas longtemps. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux bras de fer.